Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette ouverture de Deck la saga du dragon blanc aux yeux bleus. Allez, c'est parti, on nous sent plus tarder, on regarde un petit peu ce qu'il y a dedans. Même si bon, c'est écrit à l'arrière, hein, vous allez me dire, allez, vite, écrit à l'arrière. Alors, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Donc, nous avons le début du deck, avec bien évidemment le dragon blanc aux yeux bleus devant, hein, parce que sans quoi, ça ne serait pas le deck du dragon blanc aux yeux bleus. Ok, le livret de guide officiel, mais mastoc quoi. Celui-là, il est beaucoup plus gros que ce que j'avais avant, ça va être cool. Ok, comment jouer, version simplifiée. Et un magnifique petit terrain de chez Darty. Non, j'ai pas. Oh oui, ouais, il est joli. Honnêtement, pour un terrain, on va dire, basique, il est joli. Du coup, c'est parti. On va ouvrir un petit peu ce magnifique deck. Nice. Ok. Alors, nous avons un magnifique dragon blanc aux yeux bleus, hein, en ultra. Le dragon argent aux yeux azur. Donc le monstre synchro du deck. Qui va en fait donner vraiment toute la puissance du deck. La demoiselle aux yeux de couleur bleue. Un sanctuaire du dragon, en rare aussi. C'est pas plus mal parce qu'un sanctuaire du dragon, ça c'est très utile pour le deck Blue Eyes. Alors, dragon lapin. Alors, monstre normal, dragon alexandrite, un monstre à 4 étoiles qui a 2000 d'attaque, c'est-à-dire pour un monstre normal, c'est plutôt balèze. Le dragon étincelant, hein, un monstre à 1009, pareil, plutôt balèze. La sentinelle de la cloche, un monstre à 2000 de défense pour une étoile. Le chevaucheur des vents de tempête, donc un syntoniseur pour pouvoir justement faire la syntonisation et obtenir le dragon poussière d'étoile. Le dragon orage ténébreux, monstre gémeaux, dragon gémeaux. Le planeur de Kaiser, pareil, qui est un classique dans le deck Blue Eye généralement. Dragon erratique de Tefnuit. Le dragon mirage, je ne connais pas des masses en fait, dragon mirage. Le dragon mirage est un peu spécial. Durant la battle phase, votre adversaire ne peut pas activer de carte piège. C'est intéressant. Ça peut être un monstre qui va pouvoir contrer. Dragon divin apocalypse. Ah, c'est moi qui sais pas lire. Apocalypse. Un dragon divin apocalypse. La pierre blanche légendaire, hein, qui permet d'aller chercher un dragon blanc depuis le deck. Le Kaibaman qui permet d'invoquer directement le dragon blanc si le Kaibaman est sur le terrain en le sacrifiant. La prophétie de la création, le monstre magicien. Kaiser Hippocampe, hein, qui permet d'être sacrifié pour invoquer un dragon blanc aux yeux bleus, puisqu'il peut être utilisé comme deux monstres de type lumière, un dragon blanc et un monstre de type lumière. L'ange de loyauté. L'ange lumineux. Deux anges lumineux, pardon. Le hurlement d'argent. Donc, cibler un monstre normal de type dragon dans votre cimetière et invoquer-le spécialement. Le flot rugissement de destruction qui permet, si on a un dragon blanc ou bleu, yeux bleus sur le terrain, de détruire tous les monstres directement. L'écrasement destructeur qui permet de détruire une carte magique. Le battement d'aile géant. Alors, renvoyez un monstre de type dragon de niveau 5, minimum niveau 5 que vous contrôlez à la main. Et si vous le faites, détruisez toutes les cartes magie piège sur le terrain. Transaction, donc on défausse un dragon blanc aux yeux bleus et on pioche deux cartes. La carte de l'harmonie, donc on défausse un monstre syntoniseur dragon avec maximum 1000 d'attaque et on pioche deux cartes. Le cadeau de l'éléphant blanc, donc pareil, on envoie un monstre normal depuis le terrain au cimetière et on pioche deux cartes. Un pour un, envoyez un monstre depuis votre main au cimetière, invoquez spécialement un monstre de niveau 1 dragon depuis votre main ou votre deck. D'accord, celle-ci je ne la connaissais pas par contre. Monster Reborn, tactique draconienne. Bourse des âmes, épée de révélation de la lumière, donc épée de lumière révélatrice, contrôleur d'ennemis, donc là on peut choisir un des deux effets, je crois qu'il y en a un qui fait passer le monstre, cibler un monstre à stricto contre le propre adversaire, ça change la position de combat, voilà, et un qui permet de sacrifier un monstre, puis cibler un monstre à stricto contre le propre adversaire jusqu'à la même phase, prenez le contrôle de la cible. Voilà. Qui est une carte assez sympa et qui est pas mal jouée sur le link d'ailleurs. Château des âmes de dragon. Alors cette carte, je ne la connais absolument pas. Une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre de type dragon depuis votre cimetière, puis cibler un monstre que vous contrôlez jusqu'à la fin de phase, il gagne 700 d'attaque. Après que cette carte ait quitté le terrain ou que le monstre n'est pas affecté par des effets de carte. Quand cette carte face recto sur le terrain est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un de vos monstres de type dragon banni et invoquer spécial. Ok. Ok. Je ne savais pas qu'il permettait de les chercher les monstres bannis. Ok, nice. Tant que je suis où? La chaîne démoniaque, pareil, un classique, hein. Activer cette carte en ciblant un monstre a effet sur le terrain et ses effets sont annulés. Et aussi, il ne peut pas attaquer, donc voilà. Kunai chaîne qui permet donc soit de, si un monstre attaque, de le faire passer en mode défense, soit d'augmenter son attaque de 500. Le concentrateur de dommages.
Lorsque vous recevez des dommages de combat, défaussez une carte invoquée spécialement un monstre avec une attaque inférieure ou égale au monstre de combat, aux dégâts que vous avez reçus, quoi, en gros. L'appel d'être hanté qui permet d'aller chercher un monstre dans le cimetière de l'invoquer, et le dispositif d'évacuation obligatoire, donc cible à monstre sur le terrain ou envoyer la cible à la main, ainsi que vigilance de champion. Si vous contrôlez un monstre normal de minimum niveau 7, lorsqu'un monstre va être invoqué ou une carte magie piège est activée, annulez l'invocation et l'activation si vous le faites, détruisez le monstre ou la carte. Voilà, un bon petit deck dragon blanc, honnêtement, il est bien complet dans le sens où pour un deck de structure, en fait, il suffirait d'en acheter 3, puis on aurait 3 dragons blancs et 2 bleus, on aurait tout ce qu'il faut en fait pour jouer un deck Blue Eyes, plutôt méta même. Enfin, même s'ils sont pas trop joués dans les championnats, on va dire que ça ferait un très très bon deck dragon blanc. Moi sur ce les amis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce, à vous abonner à la chaîne, et pareil, si vous voulez participer de façon gratuite en regardant une pub, n'oubliez pas qu'il y a le Utip. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, salut à tous